Eh bien, nous sommes sur la fin du carnaval. Nous venons de bouler le Vaval. Après 3 jours de festivités intenses dans les Woodbuster, lundi, mardi, mercredi, vous avez pu assister lundi au carnaval avec le défilé en caravane. Et puis mardi, la grande parade du Mardi Gras avec quand même plus d'une vingtaine de groupes dans les Woodbuster qui ont pu mettre en avant toute la beauté de leur costume. Et puis après 2 ans de pandémie, eh bien, nous avons pu assister à vraiment un beau carnaval. Et aujourd'hui, nous finissons en apothéose avec le groupe Arioka, Piquant, Vokoum, L'Héritage, Camaron. Donc c'est ces groupes qui ont fait l'honneur à Bastère aujourd'hui pour le Brûler Vaval. Et nous venons de brûler le Vaval. Et on donne rendez-vous à tout le monde pour le jeudi de la mi-carême et qui aura encore de belles festivités dans les rues de Bastère. C'est le dernier jour de Vaval pour cette saison. Nous l'avons accompagné à sa dernière demeure, si on peut dire, à son bûcher, dignement en fait. Des groupes très joyeux qui ont fait l'effort, qui ont transcendé les difficultés pour faire que ce départ de Vaval soit un spectacle beau et digne. Nous allons retrouver Vaval à la mi-carême pour notre traditionnel défilé rouge en rouge et noir. Donc, si les circonstances le permettent, si la crise nous laisse tranquille, si le Covid nous laisse tranquille, eh bien, nous ferons une très belle fête en rouge et noir pour Vaval. Nous vous donnons donc rendez-vous à la mi-carême pour le traditionnel défilé en rouge et noir.